Je crois pour Sodome et Gomorre, dans la Bible, hein, on ne dit pas comme ça, on y voit n'importe où, c'est savoir est-ce que les justes sont juifs. Alors, aussi, on est au niveau d'Abraham. Alors, Abraham, c'est le, soi-disant le père du monde hébraïque. Donc, on ne peut pas lui demander s'il y a des justes juifs dans Sodome, alors que les juifs n'existent même pas encore, véritablement. Sauf si on admet qu'Abraham n'est pas juif et que les justes sont juifs. C'est-à-dire que c'est une réalité antérieure à l'apparition d'Abraham. C'est ce que je pense. De la même façon que Moïse appartient à un monde antérieur, en tout cas parallèle aux enfants d'Israël. Il n'en fait pas partie. Donc il y a des confusions, des télescopages qui se produisent de cette façon. Mais visiblement, quand Dieu demande à Abraham est-ce qu'il y a assez de justes, il fait référence à une catégorie qui fait sens pour lui, Dieu. Et donc c'est une catégorie qui est préexistante, dont on ne parle pas avant l'épisode de Sodome et Gomorre. C'est ça qui est bizarre.